Allez, je te propose de lui passer un petit message, là. Tu regardes ta caméra, c'est l'occasion. Un petit message à Mila, 3 mois après le tournage. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Bah, Mila, je voulais m'excuser. Enfin, je voulais te remercier déjà de m'avoir gagné dans l'aventure. Et après, je voulais m'excuser parce que je sais que ça se fait pas de voter contre toi, mais j'avais pas trop de choix. Fallait que je reste dans l'aventure. J'avais encore des comptes à régler. Et je l'ai pas fait contre toi, je l'ai juste fait pour moi. Et c'était ma seule solution. Et toi aussi, t'as voté contre moi. Donc, c'était soit toi, soit moi. Et c'est. T'étais bien parti là, t'étais bien parti dans les excuses, n'essaie pas de remettre la situation, toi aussi si, toi aussi ça. Contente-toi d'être positif, Virgile, ça t'évitera du clash. Mais Mila, moi je l'aime bien et j'espère qu'on va pouvoir reprendre contact sans que ça soit la guerre sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Mais j'en suis sûr, Virgile, allez, moi aussi je t'embrasse très fort, Mila, si tu nous regardes. Donc on l'a dit, Mila, c'est no way, c'est pas possible, amoureusement parlant. Hilary, c'est totalement terminado, mais j'ai l'impression que t'es pas si célibataire que ça, parce que sur les réseaux sociaux tu postes énormément de photos. On te voit notamment sur Snapchat avec une jeune fille qui a l'air de te suivre un petit peu partout et tu marques mon amour. Alors bah j'étais en Espagne, j'ai fait une saison après en tant que relation publique pour des boîtes de nuit, enfin rabatteur, enfin on fait la promo sur la plage, le soir on met l'ambiance dans la boîte, que j'ai fait beaucoup de rencontres cet été, mais rien de sérieux parce que je cherchais rien de sérieux, c'était juste les vacances. Et ouais, j'ai multiplié les conquêtes et enfin je me suis amusé quoi. Oh, mais dis donc, mais c'est un drôle. J'ai eu des amis filles, mais sans plus, quoi. J'ai pas eu de relation vraie. Oui, c'était des amis d'un soir, ouais, quoi. Des Espagnols, des Françaises, de toutes les nationalités, quoi. Donc on va dire que tu t'es fait plaisir. Ouais, ouais. C'était quoi? C'était une vengeance? Non, c'est pas une vengeance. Bah, en fait, moi, de base, je suis un mec comme ça. Hein. J'ai rencontré Hilary, en fait, c'est ça qui lui a plu chez moi. Parce qu'en fait, on se voyait, et elle me disait, ouais, t'inquiète pas, on se voit, mais tu peux parler aux autres filles, parce que moi, je veux pas me mettre en couple. En fait, un jour, je suis parti de chez Hilary, et j'avais laissé mon Facebook allumé sur son MacBook. Elle a vu toutes mes conversations avec les filles. Elle a dit bah maintenant j'ai envie que ça s'arrête. Maintenant t'arrêtes de parler aux filles et t'es qu'à moi. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre relation en fait.